Yo les gars, c'est Supra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit vlog au labo. Un petit vlog où je vous montre l'envers du décor de ce magnifique lieu, l'envers du décor de mon travail. Donc je suis bien content aujourd'hui de vous reprendre, de vous amener avec moi sur 2-3 jours. On va voir comment ça se goupille. Donc voilà, là, il est 9h, je viens d'arriver, il y a Go qui est en bas. Je vais directement aller vous remontrer le labo, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas présenté le lieu. On a des nouveaux trucs maintenant, du coup, bah je vais vous présenter ça, ça va être sympa. C'est parti. Bon, du coup, on est installé dans le labo depuis février. Et forcément, quand tu t'installes dans un local comme ça, bah, t'es amené à faire des modifications, avoir des nouveaux trucs, etc. Faut savoir que ce local, c'est quelque chose d'éphémère, on va pas y rester toute notre vie. On est prévu de bouger pour septembre minimum. Bon, avant fin 2021, on bougera. Et là, regardez-moi cette luminosité imparable avec ce bon Gomez. Voilà le lieu qui a un peu changé depuis la dernière fois, qui est un peu plus vivant, on va dire, puisqu'ici, il y a un nouveau bureau, puisque nous avons un nouvel arrivant qui n'est pas là, mais que vous connaissez sûrement, puisqu'il était dans les labos vlogs la première fois. C'est monsieur Jules, qu'on verra sûrement dans la journée, qui a son petit bureau ici, qui travaille avec monsieur Clément, puisqu'ils font des vidéos YouTube, je vous mets le lien en description d'ailleurs. Ils font des vidéos YouTube ensemble, du coup c'est plus simple de travailler directement ici. Et en même temps, Jules, lui, il fait des sites internet, il fait du codage, etc. Donc voilà, c'est mieux que de travailler chez soi. Ici, il y avait le bureau du stagiaire provisoire Mathis, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui était là. Ici, je sais pas si ça y était, mais je crois pas. Nous avons la table à sérigraphie. Là, on fait que des tests pour le moment. Et là, on a deux, trois petits tests que j'ai fait hier qui sont foirés, malheureusement. Ici, là, au niveau de la toile, j'ai accroché une toile de 2,80 m de haut que je vais commencer sûrement cette semaine, qui est juste énorme. On se rend pas compte, mais en fait, elle fait la hauteur de la pièce. Ça va être très cool à faire, ça. J'ai trop hâte. Donc voilà, le coin peinture qui a pas trop bougé. Ici, on a des mousses acoustiques. Ici, c'est vraiment le coin studio photo vidéo. Donc c'est ici qu'ils tournent leurs vidéos. C'est ici que Gomez fait ses shoots avec son nouveau fond blanc qui descend comme ça là. Ah, qui monte et qui descend, c'est incroyable mesdames et messieurs, c'est incroyable. C'est très pratique hein, pour faire les photos produits, pour faire des shoots, etc. Et pour Gomez, pour qu'il s'éclate. Et là, cette magnifique table avec cette magnifique machine à coudre qui n'a jamais servi. Voilà, c'est une machine à coudre qui est amenée à servir dans le temps. Mais pour l'instant, elle n'a jamais servi, c'est pas moi, c'est à Gomez qui veut se lancer dans le bespoke. Jules, ça va? Mon ref? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Bah c'est ma chaussette. C'est une paire de stance. Je crois que Kanye West, il serait fier de toi. Mec, évidemment. Regarde, prends exemple sur ton confrère. Shade de marron, shade de beige, marron, camel, kaki, des belles teintes. Voilà. Voilà, toi, du fluo, du rouge. Mesdames et messieurs, nous allons passer au panier du midi. Nous avons mis ici, dans cette pièce, un nouveau panier, puisque l'autre était cassé. Avec un nouveau ballon. Avec un nouveau ballon qui rebondit bien et qui est très agréable. Regardez, hop. Nous allons nous positionner ici, dans cet angle. Le panier étant tout là-bas, il est impossible de tirer en cloche pour rentrer. Il faut donc faire un rebond ici pour que le panier soit marqué. Le but étant de faire un essai chaque par jour. Et celui qui rentre son panier se fait payer à manger le midi. Voilà. Qui commence? Go. P1. Il faut un slogan pour commencer. Adoptez, n'achetez pas des animaux. Ça n'a rien à voir. Ouais. Ayoub, tu pourrais te décaler, on est en train de travailler. Ouais, ça arrive, pardon. Yes, la plante. Très nul, hein. Allez, tu dégages. Ayoub, P2. T'es en 6. Ouais, là. Oh là là là. Je suis desmaisons.fr si vous voulez un nouveau site internet. Et non. Dans la vie, il y a des épreuves à surmonter. Des rebonds, comme je dirais. Ouh, I was the more close. No the closest leader. Du coup, oui. The more close, c'est en anglais. Transition. Bon là les gars, on est lundi 7 juin, du coup le pop-up arrive très prochainement, c'est dans 20 jours. Donc je suis en train de préparer les derniers bails pour le pop-up pour que tout soit carré. Et là je suis en train de faire un petit porte-clés Wilfried qui sera au pop-up normalement, je l'espère. Donc voilà, je suis en train de designer le Wilfried d'été et puis on verra ce que ça donne. Poser des CV et ce zombie il a pas pris son téléphone donc il est bloqué devant la porte depuis une demi-heure. Ça va mon ref? J'ai trop la haine. Ça va mon ref? Mec, putain. Vas-y, explique. En gros, j'ouvre. Ouais. Du coup, je sors, je re-rentre, je ressors, je ferme mes clés et là, tu sais, je cherche mon téléphone, tu vois. Et puis, qui était pas là. Du coup, je suis resté 30 minutes dehors. Devant? T'es pas allé les poser au final? Mais il me faut mon téléphone vu que j'ai différentes adresses et je connais pas les adresses. Aïe, sors de là, putain. Non, mais toi. Bon appétit. Salut les boys. Bon les gars, nous allons faire de l'électricité. Alors,
Alors les gars, ouais, pour faire de l'électricité, on branche le secteur A sur le secteur B. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de débrancher tous les slots. Si tu ajoutes le plus et le moins d'électricité, ça fait forcément un courant conducteur, hein, le cuivre. Le cuivre et le métal sont des biens conducteurs comparés au bois, par exemple. Et là, après, voilà, directement, on va brancher le câble tranquillement. C'est un peu le bordel, t'as pris mon ref. Non. Qu'est-ce que nous avons reçu dans ce beau carton? Ça serait pas des... Vas-y. Ça serait pas des books, homemade. Des notebooks. Des notebooks homemade. Hop, voilà. C'est le gift de la deuxième édition de Homemade. Donc voilà, un petit notebook. Je vais vous montrer ça en détail puisque j'en ai déballé un pour moi. Donc voilà, quand vous retirez la petite bande blanche, il y a le petit logo Homemade en dessous. On a le petit stylo brandé, très sympa. Et voilà, après à l'intérieur, bah, vous avez des pages avec des lignes, un marque-page. Et à la toute fin, vous avez une petite poche. Pour ranger des petits trucs, des petites notes, des documents, je ne sais pas. Bon, il est très sympa. Tu en penses quoi, mon Youb? Très cool, j'aime bien. En plus, c'est en cuir végétal, putain. Du coup, le toucher, il est assez agréable, assez doux. Et tu vas noter quoi, toi, là-dedans? Mes secrets. Bon, maintenant, il faut que je réfléchisse à un module que j'ai besoin au pop-up. C'est un bac où je vais mettre toutes les peluches Wilfried dedans. Et donc, je pense que je vais le construire. Du coup, il faut que je réfléchisse aux dimensions, à la taille du bac. Et du coup, je vais faire 2-3 petits croquis pour visualiser un peu ce que je peux faire. On va chercher le bon Mathis qui va nous rejoindre pour le concours Kipo Quiz Kipo Scalier. Donc là il arrive, il sort du taf, il a fait des jolies petites pizzas. Bien bonjour. Le grand Mathis. Ça va? T'es prêt à souffrir? Ah là on fait Kipo Scalier. Oh putain. Et vu que Lucas il vlog. Let's go. Tu penses que... comment tu le sens? Franchement, je me sens chaud sur le Kipo Quiz, un peu moins sur la montée d'escalier. Je t'avoue que là je mise tout sur mes connaissances. Lucas. Non les gars, je rangeais les cartons, désolé. Ça va les gars? Ouais, je rangeais, je faisais un peu de tri. Nous allons procéder à un nouveau jeu. Il s'appelle le Kipo Scalier. Kipo Quiz, vous connaissez sûrement McFly et Carito si vous connaissez pas. Du coup, le Kipo Quiz, on va chacun notre tour recevoir une petite question de Kipo Quiz, devoir y répondre. Et si on perd, on est directement éliminé et on doit faire un aller-retour dans les escaliers le plus rapidement possible. Les escaliers étant des escaliers de 3 étages de haut, un peu long, hein, vous me direz. Il faut faire donc un aller-retour le plus rapidement possible. Et celui qui fait le moins bon temps va acheter des coca parce qu'on a soif, voilà. Donc, au bout d'un moment, il faut boire. Donc, il faut régler à l'amiable. Donc s'il n'y a qu'un seul perdant, on refait un tour jusqu'à qu'il y ait 2 perdants. Stop. L'histoire de l'Europe. Allez, let's go. Je te pose la question, Ayoub. Allez, let's go, Ayoub. Une question pour un champion. Ouais. Le génocide des Arméniens est survenu durant la Première Guerre mondiale. Ouais. C'est vrai. Stop. La guerre froide. Ouais, le président français Charles de Gaulle n'a jamais visité officiellement la Russie pendant la guerre froide. Bah Charles, il m'en a pas parlé, donc je dirais que c'est vrai. Hein. Oh, allez. La course. Stop pour Mathis. Les États-Unis. Le mardi noir est le nom donné au pire déversement de pétrole à New York. C'est faux. C'est quand il y a une coupure d'électricité. Let's go. Attends, vérifie. C'est au bon, rien à voir, mais j'ai abandonné. Stop la Bretagne. Je sens que je vais courir. Le nom de la Bretagne reflète son lien étroit avec la... Oh là là, oh, elle est... J'ai les fous. Oh, let's go. Les deux participants à la course du Mardi Gras sont Julio et Gomez. Jules, tu commences. Monsieur des maisons, le sentier. Ah, que vous êtes prêts? 3, 2, 1, top. Allez, 2, 1, top. Oh, oh, oh. 3, 2, 1, top. Ah, il est bon. Il va peut-être exploser le record aujourd'hui. Il est reparti, il remonte directement. Il est rapide, on le sent dans les jambes, dans les mollets. Et... il est bon. Il y a quelque chose d'historique qui s'est passé. Comme il s'est passé quelque chose d'historique. Ayoub. Et j'ai bien. Vous avez fait pile en même temps. Sérieux quoi? 25,84. Non. Et malheureusement, Gomez, tu n'es qu'à 23 secondes. C'est toi qui as perdu. Et après, Julio, t'as battu ton corps, donc c'est déjà pas mal.
Les amis, il est 9h du matin, je suis arrivé au local et regardez, voilà, avec ce soleil luisant, une personne de marque. Vous le connaissez puisqu'il apparaît dans tous mes vlogs, Ayoub Arsalan. Et le photographe hors pair, le créateur de contenu hilarant, Gomez, qui est en train de retoucher une petite photo. Bonne journée à tous. Bon, aujourd'hui, le planning. On va commencer la journée par un truc qui est pas très cool. J'ai un rendez-vous avec un avocat au téléphone parce que j'ai déposé Triple Sphère il y a un moment et je me suis pris une espèce de plainte d'une autre marque espagnole qui s'appelle Sfera. Donc voilà, faut voir avec l'avocat pour répondre à leur plainte, etc. Donc c'est un peu chiant. Après, plus intéressant, je vais refaire un test de sérigraphie. J'en ai fait hier soir avant de partir. Il faut que j'avance une illustration. J'ai commencé il y a quelques jours. Également du montage à faire, mais comme d'hab, je pense que je vais pas le faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? J'ai une toile aussi qui traîne depuis longtemps, je vais vous montrer. Je l'ai commencé avant que j'arrive ici, c'est cette toile, et je l'ai toujours pas fini, donc faut que j'avance, il y a plein de trucs à rajouter. Donc voilà, je vais essayer de continuer ça aujourd'hui, puisqu'il fait bien beau. Donc voilà, ça donne envie de peindre. Et puis après, bah, je crois que c'est tout. Hein. Je vais peindre sur la terrasse, du coup je vais ramener tout le matos là-haut. Comme ça, je serai au soleil. On va prendre les Posca. On va prendre quelques bombes. La verte et la rose. Pinceau. Là, l'étage, il fait mal. Bon, du coup, vous voyez, on est plutôt bien. Là, je vais continuer cette toile. Il y a plein de trucs à rajouter. Je l'aime bien, celle-là. Elle est bien pop, bien colorée. Donc voilà, on va continuer ça. On va se mettre un peu de musique. C'est parti pour de la toile. Louis. Bon, il y a un problème auquel j'avais pas pensé. C'est que du coup je suis pas du tout à l'ombre et que le soleil tape très fort sur la toile et comme c'est des couleurs très claires, ça me reflète dans les yeux et je ne vois rien. Je suis obligé de faire de l'ombre avec ma tête. Du coup c'est relou et il commence à faire un peu chaud donc je pense que je vais redescendre. Je vais revenir en fin d'après-midi peut-être parce que le soleil sera de l'autre côté du bâtiment et je serai moins éclairé. Bon les gars, là j'ai reçu un petit colis, j'ai reçu le petit t-shirt Atmosphère de Forever Vacation. Donc voilà, c'était sorti en exclu et il y avait un live dans l'accès exclusif avec un petit logo comme ça qui partait dans l'espace, c'était très stylé. Donc j'ai pété un t-shirt, on a la petite étiquette ici qui est très lourde. Là, du coup c'est imprimé au local de Flub. Forever Vacation, il est chambé, il est épais, il est confort. Du coup voilà, gros SO. Ayoub ? Oui. Est-ce que ce Burger King était bon ? Il était excellent. Et toi ? Je suis rassasié, moi. Là. Voilà, ça tourne, c'est parti. Nous allons filmer les contours de Suprao. On se retrouve tout de suite. Si on fait comme ça, mais... Mesdames et messieurs, nous allons maintenant passer aux finitions de la toile. Le moment satisfaisant. That's a good one.